Je te garantis tout ce que je viens de t'expliquer là. Quand c'est la femme qui est dans la friend zone, elle fait ça. Elles savent ça des nades. Elles n'ont même pas besoin de quelqu'un pour leur enseigner ça. Elles savent jouer. Elles font ça. Donc il faut que tu saches faire ça. J'espère que vous allez bien. Comment sortir de la friend zone? Comment sortir de la friend zone? Il y a un de mes gars qui m'a envoyé un message. Il me disait comme ça que il y a une fille avec qui il a commencé à parler et tout. Et elle a refusé ses avances. Mais elle lui a dit comme ça. Il a commencé à lui parler avant de regarder mes vidéos. Et elle lui a dit comme ça que elle préfère qu'il soit ami. Et lui aussi, il connaissait pas la red pill, il connaissait pas les histoires de être bêta, tout ça, il est bêta, vous voyez un peu. Et c'est comme ça que il a accepté en fait d'être son ami. Et de là, ils sont devenus de très bons amis. Mais lui, il a toujours voulu être avec la petite en fait. Il dit qu'il apprécie vraiment la petite. Qu'ils sont amis, mais il apprécie vraiment. En vérité, le truc c'est quoi? Le truc c'est que la friend zone, c'est toi-même qui te mets dedans. Pourquoi tu te mets dans la friend zone? Parce que ça dépend de la manière dont tu procèdes. Tu n'es pas vraiment, vraiment. Là, lui, dans son cas, il a été sincère. Il lui a dit, voilà comment il te voit. Elle n'a pas accepté. Tu vois un peu. Dans ce cas-là, il faut que tu t'en ailles. Tu vois un peu. Dans ce cas-là, il faut que tu t'en ailles. Parce que quand tu restes, elle te voit, elle te manque de respect. Elle ne te respecte pas en tant que tel. Elle ne te respecte pas en tant que garçon. Elle ne te respecte pas en tant qu'homme. Parce qu'elle se dit, il n'a pas eu ce qu'il veut. Elle sait que tu es là pour attendre. Attendre ton tour. Un tour qui ne va jamais arriver, frérot. Ce tour-là ne va jamais arriver. Parce que ta manière de procéder est mauvaise. Et comment tu sors de cette friend zone-là? Comment tu sors de cette friend zone-là? Tu sors de la friend zone par la première option. Le premier truc à faire pour sortir de cette friend zone, c'est le pull back en fait. C'est le premier truc à faire pour sortir de cette friend zone. Tu dois commencer à pull back, tu dois commencer à prendre en fait tes distances. Pas brusquement. C'est là que les gars font mal. Pas brusquement, tu prends pas tes distances brusquement. Non. Légèrement, tu commences à ne plus trop la voir. Parce que si vous êtes proche, souvent vous allez faire des trucs ensemble, des activités. Ah, on va ici, ce week-end, on va ici. Non. Maintenant, il faut que quand elle t'appelle, tu puisses lui dire non, pas ce jour-là, je dois faire des choses, je dois voir telle personne, je dois faire tant, j'ai des activités à faire légèrement. Tu vois un peu, pour ne pas qu'elle puisse savoir que tu fais ça pour vraiment attirer son attention, pour pas qu'elle puisse savoir que tu fais ça pour élever son intérêt. Il faut que tu le fasses. Elles se disent que c'est naturel. Parce que quand tu vas, la plupart des gars, ils vont le faire brusquement. Et la fille va savoir en vérité que c'est parce que tu veux élever mon intérêt que tu fais ça. Et là, ça n'aura pas d'effet. Tu comprends un peu? Donc, il faut que tu pull back légèrement, lentement. Si tu la voyais 3 fois par semaine, tu commences à la voir 1 fois, 2 fois par semaine. Voilà, légèrement, jusqu'à ce que tu la vois 0 fois par semaine. Voilà, 0 fois par semaine, tu la vois plus pendant un certain moment. Elle va commencer à se demander, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie en fait? Et pendant ce temps, il faut que tu sois en train de t'améliorer. Il faut que tu sois en train de changer. Il faut que tu sois en train de devenir quelqu'un d'autre. Il faut que tu aies quelque chose dans ta vie auquel elle n'a plus accès. Elle ne te connaît plus vraiment à un certain point. Tu vois un peu? Il faut qu'il y ait beaucoup de choses dans ta vie qui se passent et cette fille-là ne te voit plus vraiment comme ça. Voilà. Et le deuxième point, il faut que après quand elle commence à revenir dans ta vie, quand vous commencez à vous revoir de temps à autre, il faut que maintenant, tu peux même faire des trucs très simples. Tu peux commencer à lui demander des conseils sur une go. Tu comprends un peu? Ah voilà, je vois une telle fille, voilà ce qui se passe et tout. Une fois qu'il y a une femme dans la photo, une fois qu'il y a une autre femme dans la photo, il faut que cette femme-là soit plus belle qu'elle. Et si cette femme-là est plus belle qu'elle, ou bien elles sont du même en fait, niveau, ça va bouger quelque chose chez elle.
ça va bouger quelque chose chez elle. Qu'est-ce que ça va lui dire? Ça va lui dire, est-ce que j'ai pas raté quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que ce gars-là a que je n'ai pas remarqué? Parce que chez les femmes, là, le truc qui intrigue beaucoup les femmes, c'est de savoir que d'autres femmes te veulent. Ça, c'est le point, le gros point dans ce marché sexuel, dans ce marché de dating dans lequel nous sommes là. Le vrai point où la femme se demande ce que tu as, où la valeur, la femme commence à se demander est-ce qu'il n'a pas vraiment de valeur là. C'est quand elle te voit avec d'autres femmes, frérot. Quand elle te voit avec d'autres femmes, des femmes qui sont belles, elle voit que d'autres femmes te parlent, tu interagis avec d'autres femmes et ces autres femmes-là t'apprécient. Elle, elle va commencer à se poser des questions. Elle va commencer à se dire, mais lui là, c'était mon ami, on était proche. Elle se dit ça dans sa tête. Lui là, c'était mon ami, on était très proche. Maintenant, il commence à ne plus en fait être tellement proche de moi. L'autre fille est en train de le prendre à moi. Malgré que c'est ta copine, malgré que c'est une amie, elle va se dire, l'autre fille est en train de me le prendre. Elle est en train de me le prendre, elle est en train de me le prendre. Pourquoi? Parce que les femmes sont jalouses de nature. Tu comprends un peu? Elles sont jalouses de nature. Elles sont en compétition entre elles. Donc, quand tu comprends ça, il faut qu'il y ait toujours une femme dans la photo. Et une fois qu'il y a une femme dans la photo, elle va vouloir te reprendre. Elle va vouloir te reprendre. Elle va commencer à se fâcher. Toi, tu sais très bien pourquoi elle est fâchée. Tu sais très bien pourquoi elle est fâchée. Elle est fâchée parce que tu n'as plus son temps. Parce que le temps que tu passais avec elle, tu ne l'as plus vraiment pour elle. Et ça, ça l'énerve. Mais en vérité, elle ne peut pas te l'exprimer parce que vous êtes amis. Parce que vous êtes amis. Elle ne peut pas te l'exprimer. Donc, elle exprime ça par le fait de... Elle aussi, elle va pull back. Elle aussi, elle va commencer à s'énerver. Tu l'as mis dans une certaine émotion. C'est là qu'elle commence à s'intéresser à toi. C'est là qu'elle commence à dire, mais je veux que tu m'accompagnes ici. Je veux que tu m'accompagnes là. Elle commence à vouloir passer plus de temps avec toi. Et quand tu comprends ça, tu passes du temps avec elle, tu bloques. Souvent, tu peux être avec elle et tu lui dis que non, je dois avoir telle personne. Faut pas avoir peur. Vous n'êtes pas. C'est pas ta go. C'est ton ami. Tu comprends un peu? C'est pas ta go, c'est ton ami. Donc tu es censé en fait ne pas avoir peur. Souvent tu es là comme ça et puis tu appelles ta copine. Ah oui, je suis là, je suis avec mon ami et tout. Tu peux même elle la présenter à d'autres filles. Ah, lui dit que ah, c'est une de mes amies et tout. Quand tu la présentes comme ça, elle va se dire que tu la vois même plus, même en tant que partenaire sexuel. Tu la vois même plus sexuellement, tu t'en fous d'elle. Et ce que la femme ne peut pas avoir, elle recherche ça. Automatiquement, elle va commencer à te vouloir. Automatiquement, tu deviens attirant. Les gars, c'est un jeu. C'est un jeu d'enfant. Les femmes, c'est un jeu d'enfant. Si tu comprends ça, c'est un jeu d'enfant. Tu as sorti de la friendzone. C'est même pas toi qui te sors de la friendzone. Celle qui veut te prendre de la friendzone, qui te fait sortir, elle en a marre que tu sois dans la friendzone. Parce qu'elle commence à te voir sexuellement. Parce que d'autres femmes te veulent sexuellement. Voilà. Et à un certain moment, elle va commencer à flirter. Et quand elle flirte, tu flirtes en retour. Elle flirte, tu flirtes en retour. À un certain point, ça peut être gênant. Parce que vous avez l'habitude de vous voir comme amis. Mais quand les femmes te veulent, à un certain point, elles tuent la vibe d'amis. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Il y a une amie avec qui j'étais, quand j'étais au lycée, tout ça, elle me disait qu'elle voulait qu'on soit amis. On a fait des années, on ne s'est pas vu. On a fait des années, on ne s'est pas vu. Pendant ce temps, moi, elle m'a amélioré, je ne pensais même plus à elle. Quand elle m'a revu, parce que le manque, la période où vous ne vous voyez plus, la période où vous êtes loin l'un de l'autre, ça fait que elle ne sait plus ce qui se passe. Il y a un mystère qui se crée. Et ce mystère-là la captive, ce mystère-là la peine. Elle veut savoir. Elle veut savoir. Tu ne la laisses pas découvrir tout entièrement. Ça la ramène vers toi. Ça la ramène vers toi. Ça la ramène vers toi. C'est trop facile de sortir de la friendzone. Mais pour éviter même de sortir de la friendzone, évitez de vous mettre dans la friendzone. Voilà. Évitez de vous mettre dans la friendzone parce que c'est toi qui te mets dans la friendzone. C'est toi qui n'as pas assez de charme. C'est toi qui ne sais pas la séduire. C'est toi qui viens te donner entièrement à elle. Et elle commence à te dire, oh, lui, là, c'est un gars colon. Elle te catégorise comme bêta. Elle te catégorise comme quelqu'un qu'elle ne voit pas sexuellement parce que tu dégages une vibe trop friendly, trop amicale.
Tu comprends un peu? Il ne faut jamais dégager la vibe amicale sur les femmes que tu veux vraiment. Les femmes sur lesquelles tu dégages la vibe amicale, c'est les femmes que tu veux vraiment comme amies qui ne t'intéressent pas vraiment. Tu comprends un peu? Regardez comment les gars agissent. Regardez comment les femmes agissent. Quand tu l'amènes en friend zone, elle, quand tu l'amènes en friend zone, elle, elle fait tout pour sortir de la friend zone. Elle fait tout. Tout. Je te garantis tout ce que je viens de t'expliquer là. Quand c'est la femme qui est dans la friend zone, elle fait ça. Elles savent ça des nades. Elles n'ont même pas besoin de quelqu'un pour leur enseigner ça. Elles savent jouer. Elles font ça. Donc il faut que tu saches faire ça. C'est simple, frérot. Regardez juste le comportement des gourous et appliquez pareil. Elle fait ça. Elle va pull back. Elle va pull back. Elle va essayer de te rendre jaloux. Elle va faire tout ça là. Tout ce que je viens de t'expliquer. Naturellement, instinctivement, elle va le faire. Fais ça, frère. Ça marche. Ça marche. Sors-toi de la friend zone. Mais après, il faut aucun intérêt à vouloir sortir du groupe avec laquelle tu es dans la friend zone et tout. Il y a tellement de femmes. Il y a tellement de femmes, les gars. Il y a trop de femmes pour vous casser la tête sur une. Quand une ne veut pas, eux mauvais. Quand une ne me veut pas, eux mauvais. Quand une ne veut pas, eux mauvais. Parce qu'il trouve toujours une qui me veut. Voilà, on ensemble les gardons. On boit l'eau, non? Voilà, on boit l'eau toujours.